Vous avez parlé seulement des bienfaits du digital. Je voudrais savoir si le digital a aussi ses limites. Aujourd'hui, avec la conférence qui a été organisée par le NES Amsterdam Forum, j'ai appris tellement de choses dans mon domaine parce que je fais l'agriculture. J'ai appris qu'il y a des technologies, si on peut appeler des technologies qui ont été créées pour pouvoir simplifier nos actions sur le terrain. Aujourd'hui à la conférence, nous avons appris beaucoup de choses, surtout dans le domaine de l'agriculture. Voilà, quand on parle de l'agriculture, il y a le domaine végétal et le domaine agricole. Dans le domaine agricole, on nous a parlé des digitales qui sont aujourd'hui présents dans l'agriculture, qui participent par exemple à comment économiser le temps et puis avoir de belles choses dans une grande production. Alors, il y a eu, par exemple, l'utilisation de, si je pourrais dire, un matériel qui permet d'avoir l'humidité du sol et aussi la température du sol. Et aussi, il y a eu d'autres questions de nos amis qui nous ont permis de mieux comprendre comment utiliser ce matériel. À travers cette conférence, nous retenons que il faut associer l'agronomie à l'outil numérique. Parce que pendant longtemps, nous sommes restés dans les méthodes archaïques, surtout au sein de la Côte d'Ivoire. Or, pourtant, nous nous souvenons que le président fondateur avait émis cette idéologie pour dire que l'économie de ce pays repose sur l'agriculture. Mais au cours de ces derniers temps, nous voulons de pouvoir promouvoir l'agriculture, de moderniser l'agriculture. D'où il est nécessaire pour nous, en tant que jeunes agronomes, jeunes techniciens, de maîtriser l'outil numérique, d'appliquer l'outil numérique à nos données agricoles. À travers ces techniques présentées par l'UNEF, nous retenons que ces techniques pourront nous aider à travers les nouvelles techniques culturelles, à travers l'innovation de l'agriculture intelligente. Et nous avons pour thème l'agriculture zéro déforestation, ou encore innover l'agriculture pour accroître un meilleur rendement, pour lutter contre la famine en Côte d'Ivoire et sur le continent africain. Nous sommes à la dernière journée du Africa Science Week Côte d'Ivoire. L'établissement deuxième nous reçoit sur son campus d'Azaïe. Nous avons eu une journée avec trois ateliers, avec des futurs techniciens agricoles et ingénieurs en demain. Nous avons parlé du digital dans l'agriculture, parce que l'agriculture de demain sera forcément digitalisée et il est important que ces acteurs-là puissent s'imprégner des technologies qui existent, des technologies qui sont en cours de développement. Nous avons parlé de comment est-ce que l'agriculture connectée, le digital, pourrait changer leur manière de faire, leur manière de prendre des décisions, parce que
Nous devons partir de l'agriculture raisonnée qui pratique maintenant à une agriculture de précision. Nous avons eu de très bons retours, nous avons établi une feuille de route sur laquelle nous devons marcher. Il y a pas mal d'idées de projets qui sont sortis et nous comptons pérenniser la